Bah j'ai mon burrito quoi. Je ferais n'importe quoi pour le burrito. Burrito et naga. Ah là là. Si malheureux monsieur. Allez, let's go. Alors regarde une non. Petit extérieur, si tu es là, ça c'est que tu as encore envie. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne via Miroclub. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple, c'est... Ok. Hop, c'est le verrou de la fenêtre, le code c'était... Allez, let's go. Il fallait y aller au bar. Il y avait un truc, là-bas. Il y a des portes qui sont, il y a des machins qui ont l'air ouverts aussi, on va voir. Genre ça, ce machin. Mais non, je veux descendre. Hein. Ben oui, exactement comme ça. Hein. Genre là, cette porte. Elle est suspecte cette porte. Je peux pas y aller, merde. Bon, attends. Mais let's go au bar alors. Et il me manque toujours une canette, hein. Bon, c'est pas très grave, je suppose. Hey, boule de poil là. Bon, j'ai réussi à capter un signal là. Comment tu m'appelles? Que je peux monter là. Allez. Voyons si je peux faire marcher ce truc. C'est les bruits de Minitel. J'ai failli l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend, on vient du taudis, on cherche une sortie. Est-ce que c'est toi, gros bâtard? Momo. Je suis trop content d'entendre ce ton de ta voix, gros bâtard. Où es-tu? Les autres vont bien. Alors, tout va bien, on a trouvé comment monter. Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. C'est très dangereux, il y a des urques partout. Et puis, c'est décidé. On a perdu le signal, c'est là-bas. Gros bâtard est en vie avec les autres astéroïdes, ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux, il te dit. Mais si c'est le bâtard, il doit y avoir un moyen. Vous ne passerez jamais par les égouts. C'est infesté de zark et il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Et je vous aurais prévu, mais c'est pas mes oignons. Il a un bob, hein, je suis obligé de parler comme ça. Ça se voit clairement que ce machin est dangereux. Made in France! Simus. Son père, Doc, était un grand scientifique qui travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Zerk. Il y a quelques années, il avait testé cet appareil mais n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a jamais été le même. N'écoute pas Simus, il a aussi peur. Il a aussi peur que moi, mais c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les terroristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises et sans doute l'endroit où il a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Samus. Allez, let's go. Oh, le bar, ils sont pas le coup. Le barman, il passe sa meilleure vie. Faut que je le suive, du coup. Let's go. Allez, c'est parti. T'étais pas là, toi, tout à l'heure. Ah, mais si. Ah, mais non. Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. Hein. Ah, mais ça me semble, ouais. C'est le dude, hein. C'est le dude.
passe sa meilleure vie. Je vais essayer de balancer la première partie du let's play, de faire, enfin juste de faire les cuts ce soir et d'envoyer ça pour demain. Ouais, j'avoue. Timus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Alors, c'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des astéroïdes et il ne m'aidera pas. Mais toi, je crois que j'ai une idée. Est-ce que tu vas me yeet à l'intérieur de son appartement? Ah non, tu vas juste déplacer cette planche. Insane. Let's go. Prends le carnet doc et va le montrer à Simus. Avec toutes les informations, espérant que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo, petit extérieur, je te retrouve au bar pour tenter de rétablir le contact. C'est pour ça que tu vas au bar, tu te fous de ma gueule en vrai. Tu te fous complètement de ma gueule, garçon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit, passer par les égouts est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Tiens, prends ça. Attends, c'est le journal de mon père. Je sais pas ce qu'ils prennent, mais je crois que ouais, il y avait un truc comme ça, écrit un truc comme ça de ça là. Ouah, je ne savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça? Ben let's go, je vais détruire ton appartement. C'est parti. Je vais faire des trucs de chat, je vais sauter partout. Casser. Lâche, ça cache ton appartement, j'ai pas le temps. Et là, brah, bibou, bidi, bibou. Non, mais j'ai pas de code par contre. Bon. Get, as-tu vu? As-tu vu? Je n'avais jamais remarqué ce digicode. Tu déconnes complètement, garçon. Alors, j'ignore le mot de passe. Ah, merde. Let's go tout détruire. Ah, le portrait de ton père aussi. Alors, le temps est la clé. Comment ça, le temps est la clé? Qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries? Bah, je pense que oui, hein, ça va être un truc avec les horloges, I guess. Donc, 2, 5, 1... 2-5 à 1. Let's go 2-5 à 1. 2. Merde. 2-5. J'ai envie de dire god damn. Que des génies sur le stream. Que des purs génies par ici. Alors. Je n'avais jamais vu cette pièce. C'est incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout le temps. Tu fais pas d'effort en vrai, c'est ça. En même temps, le gars se noie dans l'huile de moteur pas cher là. C'est normal que genre ils seront pas contents. Alors ces plantes, c'est sans doute pour son arme contre les odeurs. Papa ne révélait jamais rien de ça. Alors, il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti dans le Toddy et n'est jamais revenu. Il est pas mort, son père. Il est pas mort, monsieur. Il est pas mort. Alors, joli bruit, mais jamais gentil. Vieilles bactéries, des temps humains, mangent toutes sortes de matières, totalement nyctalope, sensible à la lumière vive. Alors. Alors, prends du Defluxor. Concept pistolet à base de lumière. Priorité faible, apparence visuelle, détail, décibels émis. Priorité élevée, test en conditions réelles. Objectif 20 heures et détruit par seconde.
Vous mettre des coups de lampe torche dans les surmulots. Exactement, vous avez bien résumé. Et en plus, c'est clairement friendly. Alors, robot. Info robot news. Dark officiellement hors de contrôle, ils se mettent à manger le métal. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Quel est le plan? C'était intéressant ce qu'on a fait tomber de cette boîte ou genre pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Monsieur Simus là. Est-ce que tu trouves des trucs intéressants? Rien du tout. Ah ah, je vais utiliser la puissance du chat. Oh. Hop là. Très bien. Simus. Du fuck fuck. Voilà. Hop là. C'est son traceur. Il va pas se servir sans tête de traceur pour me surveiller. What? On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Mon costume me manque. Il te faut une arme contre les orques. Mon père avait pris une avec lui, c'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans le taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te montrer ça. Oh, quel bel objet et rare aussi. Je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il a beaucoup de talent, même s'il est un peu... Tu verras. Il s'appelle Elliot. Son bureau est juste au de gauche d'ici. À côté de la boutique de mémé. Il y a plein de signes sur sa porte. Mais on l'a vu déjà, Elliot. Mais tu te fous de ma gueule. Ah oui, qu'il fallait gratter à la porte. Où gratte à la porte? C'est là. Merde. Arrête. Ouais. C'est comme ça, j'avais oublié. C'est un super traceur, je connais ce modèle. C'est un Toima BR2000. Ah, tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget, ce que tu permets. Je peux réparer ça, mais quand je tremble, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. Tiens, prends le poncho. Prends le poncho de mes mères. Le poncho que mémé nous a gentiment offert, on le donne à Elliot. On est vraiment des good guys. Allez. On a tout prévu, on avait tout prévu. Alors je vais vraiment pouvoir réparer ton traceur. Laisse-moi regarder, il suffit d'une mise à jour et bra. Mais c'est que apparemment en gros les robots ont évolué pour complètement mimiquer en fait les êtres humains. Ce qui a été dit. Hein. La rumeur dit, la rumeur raconte. Allez, boum, on a le traceur. Ok. Merci Elliot. Bien sympa. Hop. Allez, mais comme ça, je peux rentrer chez toi par infraction, mais c'est insane. Ok. Je sais pas ce qu'il faut que j'aille. En vrai. Du coup, j'ai vraiment besoin de tous ces trucs en fait. Hein. J'ai vraiment, vraiment besoin de ces trucs. Donc, ça veut dire que je pense que je vais vraiment, vraiment, vraiment avoir besoin de. De la dernière canette. Hein. Attends, fais voir. Pas déjà, viens là. De pareil, toi, t'es en train de complètement foutre le bordel dans mon inventaire. Tiens, prends. Alors attends. En plus il met tellement trop longtemps à faire ce truc. Alors attends, moi j'ai juste une question. Alors trocker, lavomatique, programmation, non c'est pas ça que je veux. Moi c'est ça en vrai, c'est... Comment ça s'appelle ce endroit de merde? Là, le bar. Attends. Parce qu'il y a un truc avec une combinaison. Attends. Hop là. Si je te montre ça,
Je voulais juste voir autre chose. Je veux ça. Je veux faire ça, monsieur. Ça, on avait vu en parlant avec Elliot. Attends, on va juste refaire vite fait. C'est parce que c'est un binaire spécial, genre. Non, non, où tu vas. La puissance du yeet de ce chat. Ah, attends. Nous, ça veut dire du fer bar. Mais du fer bar, c'est ce bar là, non? Je sais pas, en vrai. Pas clair. Hein. Ce n'est pas clair du tout. C'est ça, du coup. Je sais pas. Comment je suis censé savoir, genre, qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je fais, en fait? Bon, bref, c'est pas grave. Allons voir, du coup, Simus. On réglera ça après. Hop. Yes. Les mecs, on va tout faire, essayer de tout faire avec un chat, quoi, c'est insane. T'as essayé Momo? Non, Momo, il est en train de s'emmerder à essayer de faire marcher faire marcher la radio. Essayer de parler aux autres dans le bar, à la limite, hein. Mais je crois que ça m'avait rien donné. On a un signal. Alors, papa, tu es vivant, incroyable. Suivons le traceur, on va peut-être découvrir où est mon père. Ok. Pourquoi le bar il est pas écrit, hein? Après c'est le seul bar, je suppose, donc ça peut être que ça, quoi. En vrai, tu m'attends là 2 secondes, monsieur. Ouais, mec, il me répond que ça, en fait, en boucle, hein. Ah, mais il y a des codes là. Hein. Ah. Attends. 1, 2, 8, 3. Essaye. Absolument incroyable. Tu es bien resté là, Elliot? Bouge pas. Tu restes là. Pas Elliot. 1, 2, 8. Merde. 1, 2, 8, 3 ou 1, 2, 8, 4? 1, 2, 8, 3. C'est grave fun, en vrai. Et ça fait très chat, en vrai, au niveau des actions. Mais je jure, c'est des partitions. On reviendra. Mais ça c'est un genre, je pense que c'est un genre de hub central, en fait. Je pense que ça fonctionne comme un hub central. On reviendra forcément. Je veux trouver cette dernière canette, de toute façon. Je sais pas pourquoi, mais je la veux. Mais tout m'a l'air important anyway, donc let's go. Donc il a vraiment quitté le tenir. C'est dangereux, mais je dois m'en assurer, j'ai besoin de savoir. Allons-y. Je crois qu'on pouvait pas ouvrir la porte.
Y a pas que le gardien qui peut ouvrir la porte. Hein. On n'a pas dit ça, c'est pas ça qui avait été dit. Ah mais t'es sérieux, mais je dois vraiment tout faire en fait. Le gars laisse tout au petit chat. Hein. Il a trouvé un chat, c'est genre let's go, c'est toi le sauveur. Attends, ça a du sens. C'est un chat quand même. C'est quand même un chat, donc ça fait sens. Mais tu vas vraiment rester derrière la porte? Ah non, tu viens. Mais t'es pas du tout rassuré, hein. Et t'es pas du tout rassurant, hein, non plus. Ah du coup, on est sur Stray aujourd'hui, je sais pas si t'en as entendu parler. Hein. Pleinement? Putain, ouais. Hein. Alors regarde-moi ces œufs de Zurk, hein. Ils vont nous dévorer. Je ne peux pas faire ça. Alors je suis pas aussi rapide que toi, les œufs vont m'avoir, c'est sûr. Prends ce badge, mon père le reconnaîtra, il saura que tu es un copain. J'avais vu le game, il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. T'es un chat. T'es un chat dans un univers cyberpunk. Ok. Yo, là, ça va? Hello, hello. Bon, c'est parti. Nique ça en particulier. Donc oui, le jeu est sorti juste aujourd'hui en fait. Donc c'est normal hein, si vous connaissez pas encore. Mais pour l'instant, il est super. Enfin, le chat est très malléable. Le chat est très malléable et c'est vraiment sympa au niveau des interactions, au niveau de tout. C'est vraiment ce que ferait un chat quoi. Symbole de la division entre celui de Toddy et celui du centre-ville. En nuage boutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets là-bas. Comportement lamentable, c'est vrai qu'elle proposait provoquer leur chute. Hein. Du Stray hein. Bah ouais. Pourquoi? Pourquoi donc? Bah oui, c'est ça. C'est bien ça. Alors, sac. Let's go, ça balance des grosses esquives, Drinjoy. Je pense que ma lampe à moi, elle sert à rien. Je pense que la mienne, elle est un peu relativement useless. Oh wow. J'ai pas eu tout fait exprès. J'ai perdu le contrôle de mon chaton. Ouais non, la mienne elle sert à rien, c'est juste une lampe. Hein. Une lampe de type lampe quoi. Ah. Eh ben. Je veux pas faire ça. C'est pas ça? Il n'y a pas aimé? Mais t'es pas d'accord? Ah si, comme ça maintenant. Hop là. Eh oui, Drinjoui génie. Drinj pur génie. Je peux pas prendre ce coup? Oh shit. Let's go! Oh wow. On a killing spree. Burrito le berserker. Alors, sacré chute. Doc doit être en épaillage, on doit pas être loin. Oh, je me suis mal à la patte. C'est franchement agréable hein, les bois. C'est vraiment agréable comme jeu. Et je pense que je trouve ça encore plus agréable parce qu'on s'est tapé 3 jours d'affilée de jeux d'horreur. Ah tu veux.
Je s'appelle Burrito, monsieur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, ça fait du bien un peu. Ok. Alors, c'est un générateur électrique, mais il manque une pièce pour le faire fonctionner. Ok. Ça a du sens pour l'instant, monsieur. J'ai entendu des créatures de l'enfer faire des bruits. Eh ben, genre je peux pas sauter là-haut. On va où là? Ça m'a pas l'air d'être une très bonne idée. Non. Non, ça m'a pas l'air terrible là. Je vais voir. Ah là. Hop là. Un petit machin de dégueulasse en captivité là. On dirait qu'il a une tête de ventilateur. Mais t'es pas un zoo, mais t'es qui? C'est mon badge que tu portes, comment tu as trouvé ça? C'est mon fils qui t'envoie? Bien sûr, nous sommes. Je suis seul ici depuis des lieux, je suis venu tester mon défluxor, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi, mon fils me manque. Tu peux respecter la maison, tu veux, mais j'ignore comment fuir cet endroit. Oh. Le gars, t'es censé être un génie, il vient de demander de l'aide à un chat qui vient d'arriver chez lui, quoi. Ça me rend complètement fou. Les méchants, c'est des robots. C'est un robot, c'est un scientifique, quoi. Genre, c'est un robot génie. Tiens. C'est ça ton gun? Alors attends, à charge pleine, les heures qu'il en fait la bouillie. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts et le seul truc qui offre autant de puissance au secteur, c'est le générateur qui est dehors. Mais il ne démarra pas, je crois qu'un des fusibles a fondu. Avec toutes ces heures, je peux pas vraiment prendre le risque de sortir pour le remplacer. Pas assez rapide, mais toi, si tu permets d'atteindre le générateur et remplacer les fusibles, je devrais pouvoir recharger le défluxor. Puis moi, je vais te montrer quoi faire. Non, bah, en fait, juste donne-moi un fusible et puis on n'en parle plus, en vrai. Enfin... Ah oui. Grindouille, le destructeur de trucs, il est parti où ce con? Il est monté? Ah. Prends ce fusible, il est tout neuf. Let's go! À faire un bruit, attirer les heures. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai recharger et allumer le défluxor. Suivez de suivre ce câble, remplacer le fusible et de me retrouver ici. On l'a vu ça déjà, monsieur. On sait où il est ton truc. Tu nous as pris pour un chaton. Il a cru qu'on était genre tout fluffy et tout mignon. Non, non, monsieur. On est un vrai matou. On est un vrai pur matou des familles. Alors. Bah. Il y en a un bon paquet quand même. Bon.
pas d'effort quand même, garçon. Ce dérapage karaté qu'on a fait. Hop là. Après on est là avec un petit rayon magique, mais nous on a explosé genre je sais pas combien avec juste un caddie. Hein. Tu as rallumé le générateur. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de branler l'air. Tu as vu comme le défluxor est puissant, c'est notre seul moyen de sortir ici. Attends une minute, je pourrais peut-être même le fixer à ton drone. Mais let's go en vrai. Pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Alors le défluxeur est maintenant fixé sur ton drone. Il n'est pas qu'on peut fonctionner avec aussi peu de puissance. Si tu l'utilises trop, il peut dysfonctionner. Mais n'oublie pas que c'est dangereux. Maintenant retourne au village et piston me voilà. Bon du coup... pour qu'on aide Doc à retourner dans ce colis, on a le défluxeur. Il explique où il l'a mis? Non. Oh, je me suis dit qu'il l'avait mis sur la lampe, mais pas du tout en fait, on m'a menti. On m'a menti. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Alors j'ai vu des humains porter ce genre de tenue. C'est tellement fort. Ils étaient petits et couraient partout en faisant beaucoup de bruit. Là, pareil, y'a rien là-dedans. Ah, Rémin César. Ok. Maintenir LBA. Insane. Okay. On s'en sort en garde du corps maintenant. Version moins bien que son flingue sur toi. Ouais non mais ça a pas de sens. Ça a clairement pas de sens. C'est vrai que l'électricité a été coupée. Et tiens un robot, tu peux pas soulever ça? Non, tu peux pas. Très bien. C'est quoi le plan du coup? Est-ce qu'il y a un plan? Passe par un build type ronron. Ronron buff et après artillerie. Pourquoi ça passe pas? Ah bah c'est pas ça. Alors je sais pas ce que je fais, mais je le fais vraiment avec beaucoup de conviction. Ah, parce qu'il y a ça là-haut. Hop là. Non mais le jeu il est complètement fou. Hein. Non, parce que c'est... En vrai c'est pas du tout, pour le coup c'est pas du tout pratique. Hein. Que je sois à peine un peu plus ordinaire. Mais non, mais genre, please, en fait. Le machin, il faut channel ce bordel pendant genre 2 secondes pour pouvoir tuer cette saloperie. Mais appuie sur le bouton, enfin. C'est incroyable la contre-performance. Ah, mais c'est parce que t'étais en train de te faire graille, c'est pour ça. Ah mais c'est parce qu'il y avait une erreur de super erreur. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit.
Non, en vrai, c'était juste un manque de QI de notre part. T'es en train de te faire grind, toi? Non, ça va. Alors, rentrons à la maison. Tu sprintes un peu? Non, tu sprintes pas. Tu vas pas me faire ça avec toutes les portes quand même, hein. Alors, ça, je vais tellement pas du tout être d'accord. Mais oui, mais guette-le! Attends, mais c'est juste là? Ah, mais y'a rien dedans. Y'a rien dans les machines. Ouais, gars, il était juste à côté. Hein. Y'a rien dans les machines. Ils sont vides. Ils sont vides. C'est vrai, des machines en fait, mais avec des canettes à l'intérieur. C'est ça le problème. Mais je pense que tous les objets ont leur intérêt dans le jeu. Bon, du coup, on trouvera la troisième canette quand on aura... On va dire quand on en aura besoin. Pour ce beau monsieur. Tout magnifique. Et on n'est pas mort. Bah si, on est mort. Mais ça compte pas. Hein. Ça comptait pas. C'est le jeu qui est triché. Hein. Ah, merci d'avoir trouvé Doc. Comment je vais être que me soit tout seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les usurpes. Momo t'attend du côté des égouts. Ok. Ça, il y a des trucs pour les challenges sur le quête, ouais. Mais c'est pour ça, je lui rends parce que de toute façon, c'était dans mon inventaire. C'était dans mon inventaire, donc je dégage juste tout ce bordel. Puis s'il est pas content, je me casse, j'en ai marre. Y'en a pas plus. Allez, ça suffit maintenant, y'en a nique. I'm a cat. I don't do quest. Attends, mais c'est bien bas de plateforme. Comment vous faites pour passer dans ce genre de bordel? Hop là. Alors c'est incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu des fluxeurs. Avec ça on va pouvoir trouver Gros Bâtard. Et allons-y.